Direction la Côte d'Ivoire, Monsieur Henri Konan-Bédié annonce la fin de la CNT vis-à-vis de l'opposition et appelle à un grand dialogue national avant le retour du président Laurent Gbagbo. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Monsieur Henri Konan-Bédié appelle au grand dialogue national en Côte d'Ivoire. Henri Konan-Bédié recevait en ce mercredi les partisans de la grande plateforme de l'opposition vis-à-vis du président Ouattara. Près d'un mois après le grand rencontre, Henri Konan-Bédié et Ouattara à l'hôtel du Golf à Abidjan. Destiné à faire baisser la grande tension sociopolitique en Côte d'Ivoire, réclame une autre formation de grandes discussions avec le président Alassane Ouattara, un dialogue national réunissant les grandes forces de l'opposition et la Côte d'Ivoire tout entière. Avec notre grande correspondance à Abidjan, Pierre Pento invite M. Henri Konan-Bédié en temps passé à l'étape suivante en invitant à la grande table du Grand Dialogue National le reste de l'opposition ainsi que les forces vives de la République de Côte d'Ivoire et des facilitateurs à travers le monde entier, y compris contre le président Alassane Ouattara, pour briguer son troisième mandat présidentiel. Ce nouveau cadre du Grand Dialogue National, qui verra la grande participation de toutes les forces vives de la Grande Nation et qui sera encadré par les organisations internationales crédibles spécialisées en la grande matière, dont l'ONU, ou tout simplement par des grandes personnalités indépendantes choisies, parmi tout, M. Henri Konan-Bédié a décidé de présenter Laurent Gbagbo comme étant le grand fondateur. Ce grand cadre remplace évidemment le Conseil National de Transition que l'opposition ivoirienne avait initialement proposé. Je propose dès maintenant et urgemment un accord avec toute l'opposition, l'organisation d'un grand dialogue national en lieu de place, en tête à tête avec le président Bédié et Ouattara, a rétorqué certains militants en ce jour, à travers le PDCI-RDA. L'opposition en ce jour enterre dans la CNT en Côte d'Ivoire, mais conserve la plupart des revendications vis-à-vis de M. Henri Konan-Bédié. Elle en a ajouté même une grande taille, à savoir l'élaboration d'une nouvelle constitution consensuelle, a rétorqué M. Henri Konan-Bédié en ce jour. Enterrer aussi la grande désobéissance civile, la lutte privilégiera désormais les marches et les autres formes démocratiquement de la grande contestation proposée par le président Alassane Ouattara à l'opposition, responsable et constructive. Alassane Ouattara, frappé par un dilemme.